Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ce petit con nous a demandé de nous réunir ici très tôt ce matin et d'arriver à l'heure. Tout ça pour qu'il ait 30 minutes de retard, c'est une blague. Ouais, bah qu'il se bouge le cul parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai un épisode 9 à boucler, moi. Boucler ou commencer? Car bon, tu sais, Chris, ces deux mots sont complètement différents. Eh, tarasse-toi. L'épisode 9 de la revanche des ex, il arrive en balle. Il faut vraiment avoir un culot aussi gros que l'épisode de Zara Frizou pour commencer à ouvrir sa gueule alors que ton seul palmarès, c'est de faire des planètes sur Blender. Ah, c'est un test tout simplement, je m'entraînais pour mon pro. Ouais, c'est bien l'honneur, on est content. Enfin bref, en tout cas, ça commence à faire long, j'ai les jambes en feu. Donc si dans 2 minutes, il ramène pas son derche ici, on décale, on bouge, on se fait la malle. C'est pas lui qui arrive là-bas? C'est bon, je suis là. Ah bah te voilà enfin, t'étais où? Je devais régler 2-3 trucs urgents avant de venir ici, excusez-moi. À coup sûr, c'est encore sa mère qui l'a envoyé à l'autre bout de la France acheter du jus de gingembre. Mais t'es archi pas drôle, hein. J'étais allé chez Baya, idiot, va. Coucou Baya. Ah, salut Bichette, tu vas bien? Bah écoutez, ça va. Bon, maintenant que vous êtes tous ici, je peux enfin commencer. Si je vous ai demandé de tous vous réunir ici, c'est pas pour rien. Comme vous le savez, je pose sur son Glorious et... Mais vous toussez pour quel motif même? Hey, même tousser maintenant on peut plus. Bah non en fait, vous tentez de me faire passer pour un menteur, ça j'aime pas. Et bon, on va dire les termes. Tu te mens à toi-même, tu bosses pas MS, arrête ça. Mais MDR, hey, j'en ai vu des CSC1. Mais alors celui-là c'est le pire. Toi parmi tes 300 projets là, tu bosses peut-être? Ah mais moi aussi j'avance pas, je dis pas le contraire hein. Mais moi au moins je passe pas mon temps à teaser en story et faire des extraits qui arriveront dans l'épisode 6 de Glorious. Alors que l'épisode 1 n'est même pas en ligne. C'est vrai, hein. Pour le coup, la grave raison, MS. Vous la continuez seulement, je vous gagne du coin de l'œil, hein. Comme c'est mon brosé. Non, non, c'est le dépôt de plainte. N'empêche, je veux le comprendre, hein. Tout ce temps que nous sommes, n'avançons pas, genre, chacun va à son rythme. Merci, Melvin, d'être le seul à mes côtés, c'est pour ça que je t'aime. Mais bien évidemment que c'est le seul à tes côtés, il a même pas de projet fixe, le PNO. Que tu fais là, Dieu te voit. Il te voit. Tu es dedans là, Dieu te voit. Bref, du coup, comme je le disais, je bosse dur sur Glorious. Et ce n'est pas simple lorsqu'on n'a pas de voix. Du coup, flemme de faire un projet sous-titré. On est plus en 2016. Bien que... il y a une personne ici, je ne citerai pas de nom, bien évidemment. Sinon, Baya va se fâcher. Attends, je rêve ou tu veux me faire, là? Du coup, j'ai organisé un casting. Et vous tous, vous allez juger à mes côtés. Et décider qui prêtera sa voix dans mon projet. J'adore. Period. Hey, j'aime trop le concept, t'as trop d'aide. Merci. Maintenant, trêve de bavardage. Suivez-moi à l'intérieur. Oh, le ghetto de ça, c'est quoi ça? La ferme, la production n'a pas encore le budget nécessaire. Du coup, j'ai trouvé un Airbnb pas cher. Les proprios m'ont fait une réduc. Vu la gueule des lieux, ils auraient pu te la refiler gratuitement, en fait. C'est parce que, hé, une maison miteuse comme ça, là. Donne le nom des propriétaires. Ça va grave aller leur lâcher un avis négatif sur Internet. Glorinda et Aïstatou, si je dis pas de bêtises. Mais t'occupe, on va pas perdre de temps, on va faire le ménage. Qui ça, hein? Il est hors de question que je touche à quoi que ce soit ici, c'est crade, wesh. Y'a des insectes partout. Ouais, non, par contre, t'as vu, je suis grave du même avis qu'elle. Est-ce que je ressemble à une femme de ménage? Donc, c'est comme ça. D'accord, et vous? Wesh. Attends, mais c'est vraiment lors des moments difficiles où on voit ses vrais amis, hein. Aga, qui t'a envoyé? Tu nous trouveras à l'étage. Maintenant, fais le ménage. Ouais, c'est pas facile. Bon, les gens ne vont pas tarder à arriver, donc vous avez bien compris, hein. Soyez souriants, pas trop méchants et méchantes, venez pas trop s'il vous plaît, et je vise 2 personnes en particulier. Soyez agréables à l'écoute, ça compte vraiment pour moi. T'inquiète, Aimé, ça va le faire. Mais oui, hein, y a vraiment pas à stresser de la sorte. Mais vous me connaissez, hein, angoisse pour rien, c'est ma passion, donc si je peux vraiment rien, là, je sais pas. y a moyen d'ouvrir la porte ou c'est comment? C'est sûrement la première personne, je reviens. Je sais pas vous, mais je sens que ça va être long, mais long. Du coup, si on pimente un petit peu les choses... Arrête, tu vois? C'est pour ça qu'on dit que t'aimes trop le chaos et que t'es la pomme pourrie du groupe. De 1, je t'emmerde. Et de 2, comment t'es au courant de ça même? T'es jamais là. T'es prête? Tu peux venir. Bonjour, alors je m'appelle Privilège. Privilège? Mon Privilège. Je fais un CAP coiffure et à côté, je vois des perruques, je vais vous montrer.
très très gonflé. Hein. Oui, c'est la marque de fabrique. On voit la perruque généralement avec la levure blanchère qui a un côté un peu aéré. Ça permet de voler en toute finesse et aux chances de se faire repérer par les vigiles. Ok, et mis à part ça, tu sais faire quoi d'autre? Enfin, je veux dire oralement parlant. Alors, je sais faire des prouesses avec ma langue. Hein. Les gorges profondes, ça me connaît. Quand je l'attrape la des garçons et que je l'enfonce au fond de ma gorge, j'aime voir le qui coule au fond de mon esophage. Alors, moi, c'est Tota Marie, alias la braqueuse de Saint-Denis. Moi, je suis venu ici pour présenter ma voix et je vais vous raconter une histoire, Pierre et le loup. Alors Pierre, il avait v'là les chèvres. Il avait v'là les chèvres. Et tous les jours, il criait au loup, au loup, au loup. Le village, il venait, il disait, ouais, il y a quoi là? Alors bonjour, moi c'est David. J'ai 20 ans et j'ai une grande passion pour les bandes dessinées et les mangas. J'aime beaucoup je sais pas c'est qui le buffle qui a bouché les toilettes, mais en tout cas... Attends, pourquoi est-ce qu'il est fringué comme moi, ce malade? C'est le style. Style de quoi? Mais je te reconnais, toi. Tu m'avais stalké à l'ancienne sur Instagram, il me semble. Non, vous vous trompez certainement de personne, Trompé de personne? Tu te fous de ma gueule ou quoi, clochard? Tu sais quoi, comme on dit chez moi, les hommes mentent, hein. Mais pas les captures. Attends seulement, j'ai les preuves sur mon téléphone. C'est remontré, là. Mais le bouc, il s'enfuit, hein. C'est quelle façon de courir, ça? Carrément, je bégaye. Alors bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai 60 ans. Bonjour Pascal. Alors j'aimerais vous faire part de mon talent pour la danse. Excusez-moi, il doit sûrement avoir un malentendu. Il ne s'agit pas d'un casting de danse, mais un casting de doublage. Que dites-vous? Qu'il s'agit d'un casting de doublage. Que dites-vous? Il s'agit d'un casting de doublage. Auriez-vous un bébé? Un Billy quoi? Un bébé? Un Billy quoi? Un bébé? Je laisse tomber. Je crois qu'il veut dire téléphone. C'est ça, téléphone! Avez-vous Spotify? Spotify quoi? Vous voulez dire Spotify? Oui, Spotify! Mais à quoi ça va vous servir puisque ce n'est pas un casting de danse mais de doublage? Et un jour, Pierre, ce trou du cul, il a crié au loup, au loup, au loup et personne n'est venu l'aider. Et sauf que là, il y avait vraiment le loup et ça a mangé ses chèvres. Donc si tu prends pas ma voix dans ta série, je vais arriver et je vais te manger. Je vais te niquer ta race. Je vais te frapper d'un point. J'aime les grosses lorsqu'on crache en moi, c'est l'extase. Je me suis hyper ouvert dans tous les sens du terme et... Privilège. Ok, si tu veux. Quand je disais oralement, je parlais vocalement parlant. Genre ta voix, si tu savais doubler. Ah, bah, ça dépend. Si j'aimire et... Comptez pas sur moi pour le porter, ok? Ici c'est moi la baronne, ouais je suis sur ta couronne, personne ne me détrône, ouais c'est moi la patronne, qu'on arrête que tout se mitonne, ici t'es qu'une vieille conne. Ton mec ouais c'est un salaud. Stop! On est dans la school musical, connasse! Allez dehors! C'est un fiasco, j'ai envie de me tirer une balle. Ah, de toute façon, c'était déjà vous à l'échec, MS. Non, mais blague à part, ça me gave, wesh, je suis saoulé et découragé. Arrête, ne baisse pas les bras, ma vie. Avec le temps, tu vas sûrement trouver ton bonheur et des doubleurs qui correspondront à tes critères. T'as sûrement raison, mais... Quoique, qui peut me filmer avec son téléphone? Moi, si tu veux, j'ai beaucoup de stockage. Non, merci, Melvin. C'est pas pour te faire, hein, mais non seulement ton téléphone bug, et en plus, ta caméra est floue, donc... Je me porte volontaire, si tu veux. Oui, je veux bien. Suis-moi, s'il te plaît. C'est bon, ça tourne, Elisa? T'inquiète, ça tourne. Ok, ça veut dire que je peux enfin commencer. Et vas-y. Hello la team! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon petit visionnage. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est MS Black, bienvenue sur ma chaîne où vous trouverez principalement des machinimas, des films et des séries Sims 4. Si je viens vers vous aujourd'hui, vous en doutez et vous avez sûrement vu le titre de la vidéo ainsi que son contenu, c'est pour vous annoncer un casting. Car oui, je suis actuellement en train de bosser sur une série Sims, Glorious, une série inspirée d'Empire et qui a pour but d'élever la communauté Sims noire car j'ai vraiment constaté que les noirs n'étaient pas assez représentés ou parfois même clichés et il est temps de faire bouger les choses. Ce projet compte énormément pour moi car je compte aborder pas mal de sujets tabous entre guillemets de la société actuelle
comme le racisme, la xénophobie, l'homophobie, les violences conjugales, le harcèlement, etc. Et j'aurais besoin de vous, oui oui, je parle bien de vous, pour me prêter vos voix. Si vous avez une voix mature de préférence, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, je vous le mettrai juste en bas, ou encore par mail pour qu'on puisse échanger et voir ensemble quel rôle je peux vous attribuer. En tout cas, petit aparté, j'en profite pour remercier mes doubleurs qui sont aussi mes amis, car ils ont fait un travail incroyable et sans vous, ça n'aurait pas eu le même rendu. Donc, je vous remercie énormément et prenez pas trop la confiance quand je vous chèque, genre clairement. Qu'on soit clair. Bref, je crois que le principal a été dit. Je fais de très très gros bisous. Portez-vous bien et je vous attends très nombreux. C'est bon, c'est dans la boîte, Elisa. J'ai oublié d'appuyer sur Play MS. Oui, bad gala wine pan di gang. I jawe ke en badin bam bam. I oblige ka mande Holland. Mwen en pa ka moli la ni fes. Ka fon e ouve kon laptop. Fom ka kase fizi a mi panic lock. Ka fes son même les jaloux ka pa ki top.